Eh bien, salut tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de GTA San Andreas et vous pouvez voir qu'on est dans le casino Caligula et on va continuer l'émission avec Rosenberg comme voilà. Bon, dans le jeu il s'appelle Rossi, mais on le connaît tous, on sait que c'est Rosenberg, arrête de faire genre. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Farellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Alors, Forelli, alors j'ai essayé de me rappeler. Putain, mon taxi, quoi, j'étais venu en taxi, il est plus là. J'ai essayé de me rappeler qui ça aurait pu être dans un GTA, mais je crois que je me rappelle. C'est personne, mais je crois que dans Vice City, il y a le gars qu'on tue à la fin, s'appelle Sonny, et je sais plus si c'est Forelli ou pas. Donc voilà, c'est tout. Salut. Hop là. Donc, faut aller à l'hôpital et je sais plus faire quoi. C'est pas, faut pas récupérer quelqu'un, faut le tuer ou un truc comme ça, je ne sais plus. On va voir. Bon, cette fois, on va essayer de faire un épisode cool et où je ne rate pas grand chose. Parce que bon, la dernière fois, vous, l'épisode que vous avez eu de je sais plus combien, là, 30 minutes au moins, moi j'ai tourné une heure et du coup j'avais plus le temps de faire autre chose derrière. Ça c'est quand même con. Alors que là, bah, j'aimerais bien faire d'autres épisodes après. Pas forcément de GTA, il y a Sly aussi. Hello sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Oh, le flic quoi. There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. C'est sûrement la mafia qui a enlevé Johnny, trouve l'ambulance dans laquelle il est. Ah, c'est super ça comme mission. Donc oui, donc on doit pas le tuer, je pense qu'il faut le récupérer. Ou pas, en fait j'en sais rien du tout. Alors on va essayer de trouver les bonnes ambulances, mais généralement, c'est pas la première. Hein. D'accord, alors je sais pas pourquoi j'ai pris cette route, parce que je le sens très mal. Ah ouais, bingo. Oh genre, hey, laisse-moi passer. Alors attendez, là il y en a... Oh, mais quelle bande de connards dans cette ville. Là il y en a... Là il y en a deux là. Une. Il y en a une. Ah. Bah oui, évidemment qu'il est dans une autre ambulance, putain. C'est dégueulasse. Si c'est la troisième, c'est vraiment dégueulasse. Alors attendez, on y va. Trouve l'ambulance, oui bah ça va, je sais. Tranquille hein. Elle est là. Bonjour. Bah tu fais quoi? Oh non, je l'ai pas percuté assez fort. Allez là, dis-moi que t'as pas Johnny, que je vais voir l'autre. Allez! Dis-le!
Hop là, petite coupure, désolé. Bon, on en était où? Ah, dis-le! Oh, ils viennent d'écraser quelqu'un, là, quand même. Arrêtez-vous, vous devez embarquer quelqu'un que... Ah, d'accord, là, une deuxième personne. Très bien, bah, finalement, vous n'aidez pas du tout les gens. Ah! Oh non, les enfants... On m'a tiré dessus, là? Qui? Si c'est eux qui me tirent dessus, c'est quand même abusé. Moi, je sais que c'est la mafia, mais quand même. Bon, eh, vous commencez à me gonfler, là. En plus, on fait le tour du quartier parce que vous n'êtes pas scripté pour aller ailleurs. Tiens, casse-toi, toi. Ah oui, c'est eux qui me tirent dessus, d'accord. Oh, mais c'est pas vrai, mais... C'est quoi, ça, les gens qui sautent sous ma voiture? Eh, moi aussi, je vais tirer dessus, mais ça va aller très vite, hein. C'est horrible, je déteste ça, quoi. On va mettre 2 heures à lui foncer dessus alors que, bon, on sait tous que Johnny n'est pas là-dedans. Arrêtez. Tiens, t'es coincé. Ah bah, bien joué. Alors j'espère qu'il est vraiment pas là-dedans. Ah, c'est bon, okay. Parce que s'il fallait que je récupère une ambulance coincée, on était pas dans la merde. Quoi? Oh putain, j'ai cru qu'il allait tourner, quoi. Allez, viens ici, putain. Oh, mais il a changé de parcours. Tu fais autre chose. Monte vite dans l'ambulance. Oh putain, c'était la vraie ambulance. Alors j'ai racheté plein de munitions, du coup, bah vous pouvez voir que j'ai... Connard de taxi, quoi. C'est une blague. Vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Alors on a une étoile, il y a pire. Conduit Johnny à l'abattoir. Ah non, d'accord, donc c'est pas notre ami. Je sais pas, je suis désolé, j'ai pas du tout suivi le scénario et je m'en rappelle plus. Mais ça va le faire. Et bon, si on l'envoie à l'abattoir, c'est pas pour qu'il aille faire une formation en boucherie, j'imagine. Je pense. Alors j'ai enlevé les sirènes parce que ça me casse la tête. Direct des renforts sont arrivés, génial. J'attendais que ça. Bah si c'était eux, ils sont bien cons. Hein. Hop, pardon, cassez-vous. Alors, j'ai regardé avant de commencer l'épisode, on peut toujours pas faire l'émission pour faire le braquage du casino. Donc j'imagine qu'il faut faire l'émission avec le Caligula, et une fois l'émission avec le Caligula finie, on pourra faire le braquage. Mais du coup, je pense faire le braquage un peu avant de quitter... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, c'est les méchants, d'accord. Un peu avant de quitter Las Venturas, en fait. Parce que on va quitter Las Venturas à un moment, hein, je vous spoil, mais c'est pas un spoil de malade. Eh, je vais descendre, je vais tous vous... Je vais tous, hein, je vous préviens. Tous, je vais tous vous casser la gueule. Après, on va retourner à Los Santos. Et d'ailleurs, j'ai hâte de retourner à Los Santos. Infirmière. T'inquiète pas, mon gars. Je suis la meilleure infirmière que t'aurais pu avoir. Et donc, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on fera le braquage. Est-ce qu'on... J'attends un peu la fin, la fin de Las Venturas ou je dirais que dès qu'on peut. Je sais pas. I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Alors, Johnny, d'ailleurs. Ah, on peut aller voir le crack. Mais on va pas y aller voir maintenant, on va aller au Caligula. Johnny, c'est le gars là qu'on avait sur notre voiture quand on allait vite là dans le strip. Quand on avait fait une mission pour Woozy. Je sais pas si vous vous rappelez. Et si vous vous rappelez pas, tant pis pour vous. C'est peut-être dans l'épisode 27, je crois. Je sais plus. Mais ça peut être par là. Ou 26. J'en sais absolument rien. Bon, on va au Caligula. Ouais, ça va pour l'instant. On a fait une mission, mais on n'a pas perdu. C'est déjà ça, parce que d'habitude on perd et tout, c'est pas drôle. Là, voilà, on est bien. J'ai toujours pas débloqué le dernier magasin de fringues de Costard. Du coup, on n'en mettra jamais. Parce qu'une fois qu'on va retourner à Los Santos, on va se rhabiller un peu. Ah, t'as vu quoi. Laissez-moi entrer.
Caligula. Et j'ai trouvé toujours ce casino beaucoup plus stylé que celui à Woozy. Je sais pas. Je préférais celui-là. Oh, la musique! Non. Oh là là, c'est une musique connue en plus là-dedans. Oh putain, vite. Oh, faut que je fasse gaffe alors du coup, parce que les droits d'auteur, c'est en 2 secondes. Oh, baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son, thank sweet. You. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall! My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with ya? Amène Rosenberg à la... Ah, attendez, j'ai un putain d'écho dans le micro. Hop là. Amène Rosenberg à l'abattoir. Eh ben, on y va. Ah bah attends, regarde, il y a mon ambulance. See how Johnny is. Win him over with some... Allez, monte, mon petit gars. Convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. Tu peux pas monter derrière toi. Ça te fait chier. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, which please, come on. Oh putain, l'abattoir, il était loin en plus. Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me and have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks. I'm just so tired of all this life and death bullshit. Shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Alors d'ailleurs, Rosenberg, est-ce que tu peux me dire ce qu'il est devenu, Tommy? Par curiosité, parce que bon, on sait pas. J'aimerais bien savoir. D'ailleurs, dans cette mission, il va avoir une petite, un petit clin d'œil encore à Vice City. Et ça sera le dernier, je crois, si je dis pas de conneries. Après, il y aura... Oh bah alors, elle a pris comme jamais. Hein. Je crois qu'après, il y aura plus de clin d'œil à Vice City et ni de clin d'œil à n'importe quel GTA, en fait, je crois. Ah si. Enfin, non. Enfin, si. Parce qu'en fait, il va avoir un... Enfin, on va recroiser un personnage de GTA 3. Enfin, on va croiser un personnage de GTA 3. Mais on l'a pas encore croisé, parce qu'on n'a pas encore fait GTA 3 en let's play. Donc... voilà, mais à la base dans ce jeu c'est un clin d'œil, enfin c'est... oui on va dire que c'est un clin d'œil à GTA 3 parce que GTA San Andreas c'est sorti après. Mais on n'a pas fait encore GTA 3 donc ça compte pas, on va dire. Ah, bon ok, alors. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, quand il va me voir, il va peut-être un peu flipper. On a bien vécu. It's him. Oh. Voilà. Oh my God. Oh God. It's him. Oh, my heart. Ah oui, à ce point-là, quand même.
Je suis désolé, je pensais pas t'avoir fait aussi peur. Damn, that nigga fucked up. Bah attends, t'as même pas posé de questions, tu sais même pas ce qui s'est passé entre nous. Tu peux pas me lancer un cocktail comme ça. Oui, bah alors toi, avec ta tronçonneuse, tu vas te calmer tout de suite. Oh là là, le ralenti de merde, quoi, allez. Merde, là, je te ralentis, hein. Hop, en 2 secondes, c'est fait. Alors, hop. Attendez, 2 secondes. Hey, ils sont costauds, hein. Attendez, on va prendre la K. Voilà, comme ça, il n'y a plus de costaud. Attends 2 secondes, Ken. Connard. Eh, vite. CG, putain. Ouais, ça, va dans la chambre froide. Je vais en faire qu'une bouchée de ces cons. Oh putain, je vais perdre toutes mes munitions, quoi. Alors voilà, vous avez vu le putain de clin d'œil à V-City. Il a appelé CG Tommy. Donc évidemment, CG n'a pas changé de prénom en route. Hein. Tommy, c'est le personnage de V-City. Donc le personnage qu'on incarnait, le personnage principal de l'histoire. Et Ken Rosenberg a été avec Tommy pendant toute l'histoire. Et d'ailleurs, ils finissent ensemble. Enfin, l'histoire se finit et puis il reste que deux. Mais et voilà, c'était un putain de clin d'œil à V-City. Je l'avais pas vu la première fois, hein. Quand j'ai fait Sandreas, je m'en suis rendu compte bien après. J'ai fait Sandreas plusieurs fois et j'avais jamais remarqué, j'avais jamais fait gaffe en fait. Et voilà, en fait c'est un putain de clin d'œil à V-City et moi j'adore les clins d'œil. Alors bon, moi, je suis servi quoi. Il y a quelqu'un en haut? Non, ok. Oh si, il y avait bien quelqu'un. Hop là. Allez go. Il me suit au moins? Parce que j'ai l'impression qu'il est encore dans la chambre froide. On parie que c'est ça? Attention. Oh putain, je suis sûr que c'est ça. Ah non, putain, j'ai eu peur. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm fuck, you better apologize before the I get out of here. What am I gonna do? Shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something. I promise. Ok, donc bah on va retourner au Caligula. Et on n'a pas perdu. Je vais le dire à chaque fois. Mais aujourd'hui, putain, c'est un bon petit épisode où on va pas perdre. Ce que je propose, c'est qu'on est à peu près à 20 minutes. On n'est pas encore à 20 minutes, mais on va y arriver. On va faire une 3ème mission. Oh putain, j'allais faire le code pour enlever les étoiles, quoi, parce que je trouve ça injuste d'avoir une étoile. On va faire une 3ème mission et après on s'arrêtera là, je pense. Pour aujourd'hui, hop, pardon, cassez-vous. Et je sais pas du tout ce que ce sera. Si c'est ce que je crois, ça va être cool. Ça va être encore une mission cool. Allez, on arrive au Caligula. Ah d'accord, le mur qui s'est apparu au dernier moment, quoi, j'allais lui foncer dedans. Hop là, et voilà mon gars. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm, yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Oh. Bah, on a le D. C'est quoi le D? J'ai complètement oublié. Putain, on m'a repris mon ambulance.
Bah du coup on a plus de mission avec le Caligula, sauf si on a un coup de fil. Alors on a soit le D, soit le crack, soit Woozy. On a trop de missions. Attendez, je vais juste regarder qui c'est le D. Ah, c'est MacDoug. Ok, bon, on va aller faire le D. On va aller faire le D. Pour finir. Et puis, quand on... dans le prochain épisode, on commencera par Woozy. Et après, on ira voir le crack. Et puis, puis voilà. On aura fini normalement Las Venturas, si je me rappelle à peu près. Comment ça se passe? Hop là. Alors, pour ceux qui se rappellent pas, MacDoug, c'est le gars à qui on a volé les lyrics. Donc, les paroles de chanson au tout début du jeu. Pour OG Low. Oh, you got it. Hey, what's happening? Who's the idiot? Eh, some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went boxing. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. It's over. Ah, si, on se connaît un peu. C'est pas. Totalement croisé, mais j'étais chez toi il y a quelques temps. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold. Man, jump. Hey, you stay the fuck away. Stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Trouve un moyen de sauver Mad Dog. Très bien. Là-bas. Donc ouais, donc du coup, Mad Dog est devenu un peu une merde. Parce que tout le monde écoute Odilo. Parce que bah Odilo a pris les textes de Mad Dog et il cartonne quoi. On a plus trop de nouvelles d'Odilo. Je sais pas si on va avoir des nouvelles de lui à la fin du jeu. Je sais plus trop. Mais bon, on s'en fiche. Il veut quoi, Brandy? J'ai compris? Je sais pas. C'est qui Brandy, mec? Dis-nous tout. Alors là, du coup, vous avez vite... J'imagine que vous avez déjà compris comment ça marche. Il faut que je reste à peu près à sa hauteur. Pour que lorsqu'il saute, il ne meure pas. Alors je pense que dans la vraie vie, le gars se défonce le corps, mais bon. On va dire, on est dans un jeu vidéo, alors bon. Ah d'accord, je suis plutôt bien placé, je suis content. Allez mon pote, direction l'hôpital. Aïe. Need more brandy. Du brandy. Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Allez, on y va. Alors, faut que j'essaie de conduire correctement. Pour pas qu'il meure. Parce qu'on a rien raté comme ici. On va pas rater celle-là quand même. Oh putain, il m'a fait peur. Le gars, il est arrivé d'un coup. Il a freiné d'un coup, quoi. C'est un fou. Tu me parles pas? T'as pas. Je suis quand même sauvé la vie, connard. Tu pourrais me dire au moins merci. Hop. Par contre, elle va pas vite cette voiture, c'est affreux. On prend un peu. Mais saviez quoi? J'allais dire, on prend un peu de risque et on va dans ce côté-là de la route parce que je voulais tourner à gauche. Et bah, j'ai bien fait, tiens. C'était waouh, c'était génial. Alors, là dans le dialogue que j'ai eu, le gars s'est excusé. Enfin, m'a remercié. Donc bon, il m'avait peut-être remercié tout à l'heure, mais je m'en rappelle pas, donc... De son palmier, putain. Hop, la prochaine... Ouah. Non. Laissez-moi tranquille. Non. Oh putain. Non. Oh là là, plus jamais à contresens. Plus jamais. Heureusement, l'hôpital est pas loin. Et là, ils me disent, ouais, on a la grève. On a en grève. Allez à l'hôpital là-bas. Bah, ça serait pas drôle comme mission. Mais ils auraient tellement été capables de le faire. Le gars aplati sur le sol. N'importe quoi. Et voilà. Donc,
Eh ben, on s'arrête ici, on est à 25 minutes à peu près. Moi, je l'y suis. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 31, du coup. Ça commence à faire long, hein. Parce que arriver à l'épisode 31, c'est quand même bien long. Du coup, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 31. Je pense que je ferai un épisode d'une heure cette fois-ci. Peut-être, je pense. Histoire d'avancer un peu. Et voilà. Donc, à la prochaine, tout le monde.